en virage de fiançailles. C'est ma quatrième map, c'est la map la plus récente, et quelque part c'est la plus simple, hein, je pense, d'un point de vue technique. Allez, bon courage à tous, bonjour à Miss Underscore qui arrive dans le chat, donc bonjour aux viewers, et bon courage du coup à tous les participants. On va essayer de faire ça bien, on va essayer de vous montrer. Merci d'être autant à participer, hein. De POV. Ah mais moi je suis en train de participer, moi je veux pas participer. Alors maintenant, Spack, est-ce que. Enfin. Ça. Non, là, ouais. Tu mets spectateur. Spectateur, ok. Donc moi je suis sur Clem, et toi? Je suis sur Valorant. Sur Valorant. Et alors du coup, Clem qui du coup va prendre le cut de plusieurs personnes. 25 participants. 25 participants, bah écoute, bon courage à tous. Alors qu'on est sur Kizu qui malheureusement se prend le warm-up pour l'instant. Le poteau. Ça foiré, on est encore sur un warm-up, mais après ça c'est vraiment live. Après c'est genre, bah c'est bon, de toute façon c'est la map. Là tu peux expliquer la map comme ça. Le moindre, voilà, donc on voit Fox qui passe sur le premier passage un petit peu loli-lol de la piste, puisqu'il faut donc taper en étant vraiment bien bien droit. Et si on tape justement ce mur en étant bien droit, normalement on arrive pile dans l'alignement, le but du jeu étant de se rapprocher le plus possible du checkpoint. On a ensuite voilà, la grande ligne droite qui permet de faire un petit water boom pile sur la fin. Et là pareil, il faut rester bien bien droit de façon à prendre le looping. Ça passe entre les deux et théoriquement si on a cette vitesse, ça passe assez bien. Ce passage là est impressionnant, mais au final pas bien compliqué. Pas trop de vitesse ici non plus parce qu'il y a la poutrelle Sama qui est là, voilà, il s'est malheureusement mangé dans la gueule. C'est le piège, mais d'un autre côté ça permet aussi de temporiser sa vitesse, donc quelque part, pourquoi pas, il y a une trajectoire, ah c'est marrant, alors il est passé par la droite, il y avait une trajectoire plus simple qui consistait de passer par la gauche, alors qu'on voit la bagnole de Eyona qui est absolument merveilleuse en termes d'épilepsie, quelque part, pourquoi pas, du coup on va voir. Les Eyona permettent souvent aussi de tenter des choses que tu tomberas pas plus tard. Eyona qui a le Ronka, alors que Kinzu justement passe par la droite, c'est marrant, alors le plus simple c'est de passer par la gauche, mais la trajectoire est assez serrée, on va normalement avoir le temps de voir la fin de la map. Pas trop de vitesse sinon tu te manges le mur, voilà, donc là, ça passe bien. Et malheureusement il se prend le côté. C'est parti, on part parti. Vraiment. Ah ça y est, pour le vrai. Bon bah écoute, le premier rôle. Allez là. Moi je comprends, on va rester quand même sur ta sur ma VOD. J'en mets une à côté, ouais, mais c'est comme tu veux. Donc là on est sur Clem. Alors pas mal de gens. Cut le start. Clem et Yona artiste, voilà, donc ça c'est le seul cut qui te fait gratter 2-3 secondes. Ouais, qui est assez classique dans les cuts map Trackmania, de passer à côté du passer à côté. Surtout que là en fait au début tu serais censé aller en arrière pour prendre le premier boost, puis avoir la deuxième boost, mais au final effectivement ça fait gratter plus de temps. Une map qui a pas mal de checkpoints, donc effectivement il n'y a normalement pas d'autres cuts. Et Clem arrive du coup sur le premier. Passage un petit peu compliqué, alors que malheureusement il a l'air assez centré. Normalement il sera pile à côté, et malheureusement. Et non, c'est le vrai, ça passe pas. Pour l'instant, c'est Duxnukem là. Duxnukem sur le chat que l'on salue, qui est sur le point de se faire le couloir de la mort. Il essaie de passer à côté pour filouter. Il y a une tentative de filoutage. On va rester sur Dux qui est du coup juste derrière. Vas-y, on reste sur ton POV si tu veux. Et donc Eyona en première position, suivi de pas très loin sur le départ de Xenogame, mais on arrive tranquillement. Sinon on peut gagner énormément de temps si on ne fait pas d'erreur. Ouais. Bon ralentissement. Il y a moyen avec une trajectoire de passer pas full speed mais assez rapidement. Alors là voilà, normalement à gauche, voilà, bah c'est ça, voilà. Il y a moyen effectivement d'aller plus vite. Bien freiner ici, sinon tu prends le. Il y en a qui est juste devant, qui est sur le point de finir. Bien reste au milieu alors que la vitesse était malheureusement. Ouais, c'est dégoupé pour Yona qui n'avait pas assez. Duxnukem. Duxnukem, 1,25 pour l'instant. Tu es de Humanité. Humanité. Clem qui était si bien devant et qui. Ouais. Malheureusement. Je me rappelle que certains n'ont pas traîné du tout, certains ont traîné un peu. Attends. Dans la journée. Voilà, je vais foutre ça à double POV, ça sera beaucoup mieux. On est sur Jonath également. Donc là, le Jonath qui va avoir le temps de finir. Et qui finira. Ça fait 0 points. Et 0 points, ça fait mal parce qu'on a une répartition assez. Donc là, Duxnukem, 25 points. Humanité, 23 points. Là, les gens peuvent le refaire du coup. La piste, alors là, c'est fini. Tout le monde l'a refait, une deuxième fois, on va la faire 4 fois. 4 fois en tout. Ouais, et du coup, c'est le meilleur temps. La répartition des points est donc de 25, 23, 21, 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10. Et après, avoir 0 points si tu finis pas, ce qui me paraît. Enfin, si tu finis pas, si tu finis pas, ouais, ça paraît normal. Quelque part.
Comment on fait pour switcher? Moi, comment je fais, par exemple? Parce que là, je suis toujours sur scène depuis tout à l'heure. Ici, tu peux changer. Et ce qui est cool, c'est que c'est dans l'ordre. Celui qui vient passer le premier CP qui est en premier pour l'instant. Et Yona qui est juste derrière. Souvent. Là, je clique sur Local Record. Artis. Ah, Artis qui a Krista. Ah bah voilà. Allez, moi je me mets sur Artis. Et toi sur Yona. Allez, comme ça on voit le combat. Ah, j'avoue, pas mal. Du coup, le combat, ils sont pile au même endroit tous les deux. Ils ont filouté. Artis qui a mis ils ont filouté. Le truc, c'est que là, t'as intérêt à récupérer ta trajectoire. Bien joué de la part d'Artis qui a réussi à, malgré le fait que la trajectoire était très bof au début, il a réussi à bien retomber sur ses pattes. C'est plutôt pas mal, voilà, et bien amorti pour le virage. Artis qui a un petit niveau, on va voir au niveau du prochain CP. Et Yona qui passe devant. On passe à droite, hein. C'est plus régulier de passer sur la droite. D'accord. Et Yona qui a bourré, et qui a freeze. Et qui a freeze, qu'est-ce qui se passe? Et Yona en difficulté, Artis qui en profite pour bourrer, mais si c'est bon. Non, et Yona a été good. Et Yona a été good, suivi de Artis. Plutôt pas mal. Clem qui commence à apprendre des maps qu'il connaissait pas du tout. Et après, du coup, qui va tranquillement, je pense. Ah ouais, on a eu Jonathan qui était un petit peu. Ah non, c'est pas qu'il était paumé, c'est qu'il a dû faire un petit tour sur lui-même pour récupérer le dernier boost. Parce que sur le dernier, juste avant la ligne d'arrivée, tu as moyen de récupérer ça. Mais on voit Humanité qui avant avait pris la troisième place, qui s'est bien plus en arrière qu'avant. Ouais. On est dessus. Et qui se reloupe sur la fin. Et ça, c'est c'est 0 points. Et c'est 0 points, malheureusement. Tous les gens à partir de là, hein, c'est 0. Donc, il y a 20 secondes pour finir, qui est quand même assez large pour le temps de la map. En même temps, il y en a plein de gens qui ne passent pas. Allez, Yaya. Moi, je reste sur Yaya pour l'instant. Qui fait un truc un peu bizarre. Mais non, c'est bon, effectivement. Hein, le premier Water Boons qui passe, mais qui fait perdre du temps. Il s'est mangé un poteau tel un nul. Ouais, je l'ai vu passer. Putain, oh là là. C'était vénère. Allez, Artis. Pas trop de vitesse ici, sinon tu tapes en haut, même si avec l'angle tu peux normalement passer. Non, malheureusement, Yaya qui a mal tapé le plafond et qui du coup est reparti en arrière. Et Yona qui a une connexion qui lag un peu, ce qui fait que c'est un peu dur de le suivre. Artis en première position, mais Yona qui, on l'a vu, le rattrape souvent sur la suite de la map. C'est, là, t'étais sur. Ah, mais sur Harpy, alors je reviens sur Harpy, du coup, qui était plutôt balèze. Tout à l'heure, qui va se faire le couloir de la mort. Alors, est-ce que Harpy va retenter le. Ouais, non, non, oh, si, oh putain, attends, ça passe, ça passe. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure, hein. Et c'est passé. Ouais, ça passe nickel, hein. Très très bon, très très bonne reprise de contrôle. Là, mauvais, ça fait. Ah, là, c'est. Et Yona est plus en arrière. Ça fait plaisir à voir, ça aussi. Hein. Combat en partie, c'est. Eh ben, Harpy, c'est hyper en avance, les trucs. Ah, c'est. Un combat de frères, un combat de même équipe. Ah, ils sont tous les deux dans la même équipe. Ah ouais, d'accord. C'est... Primus, c'est ça? Ouais, bah je pense. Ah ouais, bah très bien. Et du coup... Et donc Artis qui prend encore la première base. Artis suivi de Harpy. Toujours Team Primus aussi. Qui on a ensuite? Ouais, Yona va perdre. Allez, Ojiba, on revient du coup. Et Yona qui va peut-être même pas... Ah, Ojiba qui malheureusement avait un petit peu trop de vitesse, qui a tapé le mur, mais qui a quand même fait un petit tour. Et ça suffira pas, malheureusement. Et ouais, tu perds beaucoup, beaucoup de vitesse si t'as trop d'élan sur ce dernier jump. C'est pour ça que le dernier virage est important, parce qu'il c'est vraiment pour que les gens puissent avoir le temps de freiner. Là, malheureusement, ça risque de pas passer. Là, ça change beaucoup au niveau du ranking, parce que Yona a perdu beaucoup de points et Artis, Harpy et Yona ont échangé toutes leurs places pour Artis en première place. Squat le top 3, hein, du coup, avec notre ami Duke Nukem. Hein. Bien sûr, ami Duke Nukem du chat. Humanité qui descend, qui avait fait un très bon start. 25 points. Et du coup, qui on va suivre? Allez, on va suivre Yaya, qu'on suit pas beaucoup pour l'instant. Allez, Yaya versus Artis. Yaya qui va pas trop vite sur le wall, effectivement. Il vaut mieux prendre son temps ici, c'est tellement facile de se prendre un poteau. D'ailleurs, on en a quelques-uns. Il est déjà bien en arrière, par contre, Yaya, là, sur ce coup-là. Ouais, quelques-uns qui se sont passés. Pas beaucoup d'élan, curieusement, bien centré. Ah, attention, hein, parce que là, à être trop sur le côté, encore que très bonne position de Yaya sur le troisième checkpoint. Ouah, alors, ça, c'est GG, mais malheureusement, voilà, le problème, c'est que ça te, du coup, positionne mal pour le... Ça, et surtout, beaucoup de retard pour l'instant. Ouais. Alors que Artis de côté, du coup. Ah non, et Yona est à l'avant. Et Yona est juste derrière Artis. Pourquoi j'ai pu Allez, je reviens du coup sur Yaya, qui est sur le point de se faire le couloir de la mort. Couloir de la mort. C'est un combat juste entre avec, Yona mais c'est et fou Artis, ça en fait. Hein. Et Yona qui est en train de remonter, tu peux changer? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Yona qui est en train de remonter, Artis sur la fin. Et normalement, Artis, s'il ne se loupe pas, il a l'air de se louper. Oh là là, oh là là, c'est bon. Yona qui a pris tellement de risques. Normalement, ça devrait suffire. Qui a fini en premier? Le dernier boost. Et c'est Artis. Oh, et Yona sur la hyper bien remonté. C'était une belle fin. Mais c'est retrouvé un peu de travers sur le boost. Et du coup. C'est toute la difficulté de ne pas aller trop vite. Pour l'instant, on a Artis et Yona, Fox.
Suno et Harpy pour les 5 premiers arrivés. Et du coup, j'ai essayé de switcher sur le bon Golbu. Alors, qu'est-ce qui nous fait le bon Golbu? Non, qui malheureusement choke alors, si je crois le dire. Il choke. Le bon Golbu qui malheureusement a choke juste avant le dernier boost et le dernier jump. Quatrième round, du coup, c'est ça? Si j'ai bien compté. De toute façon, si jamais c'est écrit ici. Allez, vous avez une dernière chance de briller, du coup, sur cette map. C'est quoi ce nombre de points là? Ça marche pas? Si. C'est bon? Tous les points s'additionnent en fait, c'est normal. Oui, mais non, c'est pas grave. Ok. C'est plus simple. Ok. Très bien. Modération qui gratte des places. Ouais, non, mais Duke Nukem qui réussit à se maintenir dans le top 10. Puis on voit aussi les gens qui apprennent petit à petit leur map là. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment roulé avant, c'est d'arriver. Puis ceux qui m'ont vu le mapper ont un petit avantage aussi. Hein. Là, je sais qu'il y a des gens qui m'ont jamais vu, mais. Compter les cuts, alors lesquels sont peut-être worse, lesquels le sont pas. On a sur. Short, I have a short, et du coup, qui va tenter le cut? Alors, on va, je pense, beaucoup de gens. Je vais me mettre là-bas. Je vais juste aller voir, enfin, dès que c'est aimé. Ah bah, vas-y. Et je vais aller regarder qui fait le cut, qui tente. Mais attends, t'es sur quelle map, toi, là? Ah oui, d'accord. Très bien. Allez, bon, lui, est-ce que des gens vont tester? Oui, oh là là, très bien. Partout. On a Clem. Qui valide, donc bien sûr c'est la méthode, c'est de passer par-dessus la rambarde en faisant un léger drift, valider le CP. Et là on voit Humanité, je pense qu'il a vu le mapping, il connaît mieux les maps que les autres et qui, comme avant, la première map a pris tous les points. Et ensuite, quand les gens ont appris petit à petit, on a perdu. Et on voit là, on voit vraiment d'autres noms sur le premier tour, sur le warm-up. Le temps que d'autres apprennent. On a Clem qui arrive, une flèche. Avec la dernière, ils arrivaient. Très courte. Paf. Piste très courte, on est normalement avec un world record, donc à 30. Combien? Il n'y a pas de points, c'est warm-up. 30 secondes, je crois, le world record hein, sur celle-ci. Qui en a gagné? Il n'y a pas de points au warm-up. Est-ce que tu peux remettre l'angle de vue sur le cut? Donc, comme je disais, la meilleure trajectoire, donc c'est bien sûr le petit drift sur le bord de bordure qui te mène sur. Alors, et là, moins de gens le tentent. L'arrière du checkpoint et normalement. Igor qui recule et qui Il n'a pas respawn en fait. Il y en a qui préfèrent faire marche arrière comme Igor, c'est justement à l'instant. Pour après qui a retenté une deuxième fois, et là qu'il a pris parfaitement. Mais du coup, est-ce que le retenter une deuxième fois lui a pas fait perdre trop de temps? Allez, Kizu de la team Papa, je l'ai pas encore vu rouler lui. On va et à 39. C'est, si jamais Oxeback fait une suivi de Harpy. Oxeback qui avait pour l'instant pas vraiment pris de 25 points. Hein. Je ne crois pas. Et je du ne coup, crois pas. On va avoir 25 points suivi de Harpy, Fox, Team Papa, tu suis là. Les points changent, hein! Les points changent! Au niveau du ranking, ouais, voilà pour le. Les points sont remis à zéro. Tous les points sont remis à zéro? Même ceux de la map d'avant? Sérieux? Ah merde! Mais bien sûr, on s'en souvient! Bah, on se rappelle! Qui a fait un screen? Ça va être compliqué. Bah, on peut le faire nous-mêmes. Oui, on peut le faire après. On peut le faire nous-mêmes. Mais il faudra écrire. Il faudra qu'on clip. Bon, si jamais quelqu'un peut faire un clip du coup du tableau de score de tout à l'heure, histoire de voir le tableau final, mais je suis même pas sûr de l'avoir montré. Si normalement. Ah, on a dessus un peu. Kizu qui joue safe. Hein. Kizu qui joue safe. Il faudra faire chaque fois du coup à la fin de la map un screen. Un screen, ouais, bien sûr. Comme ça on les additionne et ça fait du suspense sur qui a gagné. Allez, on fric la bonne calculatrice Windows juste après. Allez, petit. Qu'est-ce qu'il nous fait, Artissa? Du coup, moi je vais regarder vu que c'est apparemment un des favoris du tournoi. Et là, c'est Harpy qui gagne la première place, suivi de Clem Artis. Une très courte, donc on voit que les scores changent beaucoup. Ça va être drôle en vrai d'additionner, alors ça va être chiant pour nous. Ouais, ça va être chiant pour nous, ouais. Mais ça va être hyper étonnant. Mais par contre, première map, il faudra être sûr que quelqu'un les clips. Ouais. Les clipper, ouais. Et puis au pire, on le fera nous-mêmes, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut regarder du coup pouf. Toujours sur dire, alors vas-y, on va regarder. Est-ce que, du coup, qui le tente, le cas? Tu peux nous remontrer peut-être le point de vue? Merde. C'est un peu loupé, hein. Ah, c'est un peu loupé, vas-y, c'est pas grave. Ah si, on voit les gens qui tombent. On voit ceux qui tombent.
Et il y a Eagers Humanité qui l'ont eu et Clem qui l'ont eu. C'est marrant parce que Eagers est régulé là-dessus. Hein. Il a réussi plusieurs fois tout à l'heure à le faire. Et GG à lui pour ça. Et ouais, du coup ça lui fait une belle avancée en vrai. Hein. Ah ouais. Mais il a dû perdre un peu du temps sur la suite. Parce que du coup c'est Clem en première position, suit de... Et le bon Golbut qu'on a quasiment pas vu qui est en deuxième position. Ouais, j'étais sur lui tout à l'heure. Il joue assez safe mais il joue pas beaucoup. Et donc, là vu que c'est une très courte, et ben ah. Il va pas pouvoir se faire. Et si Harpy Artis qui arrive comme des flèches qui lui volent les deux places à l'échec. C'est pas mal. Ça va dire. Du coup pour Harpy, Fox, Clem, Artis et Gamaz pour le top 5. Actuellement, Duke Nukem malheureusement qui tombe like pour le peut-être top 5. Ta la la. Peut-être. Tony 3, alors qu'on a vu passer. Non, c'est fini. Allez Duke Nukem, fais-nous rêver. On reste sur toi l'espace d'un instant. Et avec avec les trucs les plus beaufs en termes de bruitage. D'ailleurs, je vais peut-être mettre les bruitages un peu plus forts. Peut-être. C'était le klaxon ça, magnifique klaxon. Ah non. Tu mets le bruitage un petit peu plus fort. Vite, qui a sauté ? Et du coup, on voit rien. Okay, ils sont pas mal, ils sont de plus en plus attentés. Ils sont de plus en plus attentés. Vas-y, zoom zen. Très bien. Ah, mais avec les boutons là, tu peux changer directement. Tu peux changer. Ah, mais c'est que maintenant que tu me le dis, mais cette meuf est incroyable. Très bien, nous suivons Clem, maintenant Dux, maintenant Humanité, maintenant Endom. C'est attends, le pire, cast de l'univers. Ta-da-da. Et en Suisse, allez, la Suisse. Très bien. Clem en première position. Suivi de, je sais pas, Artis qui ne pourra pas lui voler la place, suivi de Humanité. Humanité qui... Ah mais en fait, on voit le bon Golbut, on voit Humanité, c'est vrai qu'ils sont bien dans toute la map, je pense qu'ils arrivent à faire le cut. Et en fin de compte, ils ont peut-être pas le niveau pour avoir la bonne vitesse sur la fin et ils se font rattraper par les meilleurs. Peut-être. Alors je vois du coup... Mais ils ont le facteur prise de risque qui est cool. Dux qui tente. Ouais, mais alors là du coup il va perdre du temps. Là au fin... Oh, remarque surtout, voyons, comme ça, il reste 5 secondes pour... Il gagne un tout petit peu de temps. Mais arrête de klaxonner Dux, putain, c'est énervant. Et c'est fini pour Dux. Donc là du coup, on est sur... Clem... Ah merde. Clem gagne le match. Et ça c'est la fin de... Mais qu'est-ce que c'est screen? Faites des screens. Non. C'est quoi déjà le bouton pour faire des screens? Faites un clip, les gens. Ah non. Voilà, c'est le moment où il faut faire un clip. C'est loupé, on les a. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait, merci à vous. Et merci de nommer ce clip résultat du deuxième. Écoutez, on choisira un premier peut-être. Ça risque d'arriver. Sachez-le quand même. On va arriver à la fin de ce tournoi. Amusez-vous, battez-vous en On va arriver à la fin du tournoi. Alors attends. La map la plus chiante, de selon moi. Une map très longue, avec un passage presque rapide. Il est possible de skipper. Mais... Donc on a un star. Le cut est chaud. Le cut est chaud. Un star PF, est-ce que tout le monde le prend en PF, j'ai l'impression. Ouais, tout le monde le prend en PF. Malgré ça, dès le premier virage, tu vois qu'il y a une légère différence. Sur warm-up, par contre, il n'y a pas de point, donc ne paniquez pas. Ça, c'est du warm-up. Voilà, c'est du warm-up. On va tout de suite voir si, du coup, Dux réussit le cut du press forward. Alors ça, combien de gens vont le tenter? Parce qu'il est quand même vraiment, vraiment pas évident. Je pense qu'il va être tenté justement sur le warm-up. Et tiens, Dux qui continue direct. Attention, je vois juste Yaya partir et qu'elle est partie sur le toit. Et ce qui peut être une bonne idée, petit air control de la part de Dux, parfait, qui a réussi à faire le cut. Il lui reste plus que le checkpoint. Checkpoint chelou à faire. La bagnole, normalement, on va se retrouver. Parfait, bien joué. Combien de temps il a Dux qui, du coup, gratte facile. Oh non, malheureusement, qui fait la tortue juste sur la fin. Est-ce qu'il va réussir? Quel enfer. Je ne souhaite que la ça La question arrive. Est, est-ce qu'il le tentera quand ça voudra dire quelque chose, donc quand il y aura des points à gagner? Ah, ça sera... Ça sera c'est vrai, il est quand même très risqué, la retomber C'était marrant parce qu'il était parfaitement... il avait bien stab, donc je pensais qu'il allait bien retomber. Plus t'es de haut, plus t'as des rebonds un peu bizarres, tout compliqué à gérer. Ouais, compliqué. Faut aussi afficher les pages suivantes. Alors, oui, c'est ce que je disais. Non, mais il n'y a plus de points là. Ah oui, bah voilà. Et c'est pour ça que je disais, non, c'est pour ça que je calmez-vous. Mais on voit sur les premiers, c'est plus important, les autres. Alors Clem, Clem, t'as vu qu'il a réussi le Water Boons, mais alors tellement au dernier centimètre. On l'a vu avant d'ailleurs le prendre, c'était Clem qui l'a pris de manière genre tellement clean. Il est arrivé pile poil comme ça. Il dose très très bien la vitesse. Et là, on a vu pour le couloir, il a fait taper, il a pas pris la bordure, mais il est resté sur le côté gauche. C'est une des strats les plus safe qui effectivement fait gagner moins de temps, le bon petit drift. Qui passe, on va voir comment il fait pour la fin, dernière partie, bien sûr qu'il faut pas prendre trop extérieur sinon tu te fais éjecter.
temps en première position Clem, hein, celui d'Harpy de loin. Clem là il est vraiment tout seul. Clem qui dose. Hein. Mais on est en warm-up. Clem qui dose, suivi de. Harpy a peut-être tenté des trucs. Ah ouais. Tony Troua. Alors Tony Troua, moi je l'ai pas encore trop vu jouer. Il est où? Alors. Ouais, toi t'es la personne qui va avoir les underdogs, c'est bien. Les quoi? Les underdogs. Ah, c'est qui sont le pire. Merde. Oui, parce que c'est. J'ai pas réussi. Ça, c'était pas simple. Comment? Ah, comme ça, tout ça. Toi, attends, quoi? Oui, je sais pas. Bonjour. Pourquoi, ça, pourquoi c'est comme ça? Regarde. T'es en camset. Et comment on fait pour. Tu represses un, tu vois? Comme là t'es. Allez, bonne chance. Hein. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors. C'est parti pour le premier round de cette cup Old Cats Are Grey. Du coup, une map à cut ultra risquée et très longue. Donc, comment les joueurs vont se débrouiller? Je sais pas comment faire. clique sur genre quelqu'un. Ça marche pas. Ah, si, c'est. Ah. C'était la touche 7. Très bien, alors on garde du coup la cam sur. On arrive sur le PF. Est-ce que tu vas avoir Dux pour savoir ce qu'il va faire? Écoute, on va voir avec le global de toute façon. Ok, on a tout le monde qui a respawn. On a Aya qui part un peu sur le côté, qui va soulever. Pour l'instant, tous les gens à l'avant prennent le PF, mais on voit que certaines personnes ne sont pas au courant que c'est un PF, je pense. Oh bah ça serait étonnant. Ah non, Fox qui a réussi à couper le PF d'une autre manière. Ah, il est possible, en fait, il y a deux ou trois façons. Ah, ouais, oui, il y a deux ou trois façons de cut le PF, effectivement. Ah, il essaie de prendre le ring après en hauteur, ce qui est du coup ultra risqué, alors qu'on voit un Clem qui est passé normalement et qui en train de finir premier. Parce que là, la prise de risque a pas payé. Ouais. Alors, sortie aussi du PF qui est pas forcément évidente parce qu'il y a deux écoles. Hein. Soit tu ralentis sur le dernier boost pour pouvoir justement mieux préparer ta trajectoire, soit tu bourres le checkpoint et tu respawn. Mais tu risques d'avoir moins de puissance ou moins de vitesse pour la suite. Alors, Clem qui est tout seul devant mais qui peut stopper là sur un water. Oh, il est passé si proche. Ouais. Il peut stopper sur un water boost et parce qu'il le risque beaucoup. Ouais. Oh là là, on voit par exemple là. Inextrémis. Et je vais switcher sur Aloha qui lui aussi arrive au Water Boons. Et ouh, Clem qui s'est loupé. On l'a pas vu. Sur le moment du bastonnage, et du coup, Suno qui se rapproche beaucoup et qui se loupe aussi. Et donc perd sa chance de battre Clem qui était si bien à l'avant. Pof. Et du coup, Aloha est maintenant très proche. Oh, Aloha qui arrive à retomber sur ses pattes. Ça, c'est beau. C'était pas une évidence, hein. Très très clairement. Merci beaucoup Poyasama pour les clips et Nitrier pour les clips, merci. Ouais, merci pour les clips au niveau des rounds, hein. C'est pas forcément une évidence, je mets la musique un peu moins fort. Ouais, et sur la fin, Clem qui est tout seul, hein. Clem qui est embêté par personne, mais du coup, Aloha qui s'est trouvé en deuxième position. Hein. On a perdu la harpie, on a perdu tout le monde, je sais pas. Aloha, ouais, oui, ça c'est étonnant, ouais. Asuno, ouais. Et Yonai, oh là là, malheureusement, Aloha qui a foncé dans le mur sur la fin, peut-être qu'il connaît pas encore trop la map. Il a failli se faire voler la fin par Suno, et heureusement, il a juste eu. Pour l'instant, on est sur un classement provisoire, du coup, de Clem, Aloha, Asuno. La barrière du PF n'est pas évident à choper, bah si tu vas en PF. Si, normalement, le PF. Théoriquement, à moins que t'aies fait un mauvais respawn, ce qui peut arriver des fois que t'es un peu dégueulasse. Normalement, il passe bien. Je connaissais pas la fin, Aloha qui dit dans le chat. Ah oui, donc Aloha qui est en train de découvrir la map. J'ai réussi à rater le PF du start de Ayona. Ah merde. Et du coup, pour l'instant, les gens vont se séparer, on voit, voilà. Et tout le monde se sépare juste un peu avant. Donc on est toujours sur le warm-up là. Hein. Non. Ah non, là ça compte. Ouais, là à partir de maintenant ça compte. Incroyable. Ok, et du coup, les gens ont eu le temps d'apprendre un petit peu la map avec le warm-up. C'est parti pour Oxgeba qui est en première position pour l'instant. Et Ayona qui se loupe. Suno. Moi je me mets sur Valrod, du coup, Valrod 14 qui fait des bons temps. Lui aussi, malheureusement, Valrod 14 qui tombe. Ah, des gens qui tentent Sapristi qui compte pile sur le côté. Clem qui respawn. Beaucoup de gens respawn. Il y a plein de gens qui essayent de cutter en fait le PF et qui du coup se foire. Et du coup, Oxgeba qui l'a pris de manière plus simple. Ouais. Vit sa meilleure vie tout seul. Alors en fait, tu peux faire le premier grind sur le muret du début si après tu freines et que tu fais un petit double virage. Regarde Fox et Harpy ce qu'ils sont petits. Alors. T'as vu? Ils sont. Fox et Harpy sont littéralement en droit. C'est ici que ça a un peu changé. Voilà. On voit que Fox allait en full vitesse, mais Harpy a freiné et du coup a réussi à prendre beaucoup mieux le virage et après de l'avance. Mais ils étaient trop dans. Alors, pour cette réception, oui, voilà, tout le monde arrive au milieu, ça fait pas de soucis. Clem qui a moins d'avance qu'avant. Ouais, moins que tout à l'heure en tout cas. On le voit ici justement avant. On peut louper le gros spin. Du coup, Harpy juste derrière qui voit. J'ai vu personne se prendre les câbles. Hein. C'est possible, mais c'était rare. Hein, normalement, ma trajectoire est pas mal.
Clem pour le saut. Ah ouais, pareil, moi je regarde. Oh, Clem qui switch. Oh, on a rien à foutre du water boost. Le mec il a pas le temps. Harpy qui souple juste derrière. Est-ce que Oxaba va pouvoir. Ouais, qui va dépasser Harpy. Et du coup, Clem là qui a tout fait parfaitement. Pour l'instant, c'est un peu de sa faute. Bah, on sent qu'il est clairement à l'aise. On va le regarder jusqu'à la fin. À 1,49 du coup, ouais, à 2,06 aussi, hein, Clem, il avait fait la piste. Ouais. Ce qui est un bon temps, hein. C'est pas facile de faire sub 2 minutes. Et là, hein, je pense qu'il va faire un bon temps. Ouais, 2,07, hein, une seconde, même pas une seconde, à 3 dixièmes de son record. Et il y en a qui étaient 4 secondes derrière. Quand même. 3 dixièmes de son record, du coup, 25 points, plus 25 donc pour Clem, suivi d'Aloa, Asuno. Et Yona, Harpy. Clem qui se fait plaisir sur ce round et qui pour l'instant a été fait deux fois premier. Donc il prend les points maximum qui sont de 50. Ouais. Suite de. Aloha, où est Aloha? Est-ce qu'Aloha va perdre tous ses points? Aloha qui finit. Non! Non! Fini? Aloha? Oh! Non! Et c'est loupé! Aloha qui a pas laissé finir! Qui prend pas ses points et qui malheureusement est à 23 points et qui va tomber dans les méandres du. À quel lâche! Et ça c'est mal. C'était juste une petite coinçage de roue. Oui, voilà, il s'est coincé la roue à la toute fin sur le mur. Ah, quel dommage. Ça m'est déjà arrivé tout de suite quand j'ai essayé de balader. Et alors, il doit être un peu deg parce qu'il écrit ma vie, c'est une blague et ne redémarre pas pour le troisième round. Oh non. Malheureusement, bon, on tient un peu de mental aussi là-haut. Que des bons joueurs, hein, bien sûr, sur cette map, hein. Sauf certains. Que des bons joueurs, sauf la plupart. Allez, on va suivre du coup Harpy et Humanité qui sont pas très loin l'un de l'autre. On va voir comment ça se sépare. Au début, tout le monde est très très proche, à peu près jusqu'au PF où les premières gens, il y a les gens qui ont tenté. Allez, Asuno fait mauvais, qui respawn. Alors que le bon Golbu a pas du tout pris le PF. C'est beau, regarde les PF qui s'enchaînent comme ça. Ah ouais, mais attends, moi je regarde bon Golbu là qui est ça. Ah bah non, ça a switché également. Je sais pas pourquoi des fois ça switch tout court. Alors Clem qui arrête de prendre le PF à partir de la moitié et pour l'instant ça le gagne. Hein. Ouh, oh, magnifique. Oh là là, non, il tente. Il a réussi. Il a réussi. Ouais, il a réussi. Il a failli nose bug et il a réussi. Oh là là. GG à Clem qui du coup mérite clairement sa première place pour l'instant. Hein. C'est 6 BG. Très très bien réceptionné. Harpy et Fox Clem toujours roue dans roue jusque là. Hein. C'est marrant. On va suivre Fox un peu de mon côté. On va faire Fox. Bon, je mets les deux. Je mets deux points de vue. Humanité à gauche sur votre écran. Fox à droite. Je crois qu'Aloha a vraiment abandonné malheureusement. Ah, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Ben, après, c'est pas la meilleure piste. Hein. C'est... Ah, elle est compliquée. Elle est compliquée. Elle est longue, elle est intense. Il y a beaucoup de choses dans l'endroit où on peut choke. Et. Vas-y, répète, on peut faire quoi? Il y a beaucoup d'endroits où on peut choke. Très bien. Ouais, Clem est bien. Oh putain, Humanité, qu'on a rien à foutre du boom. Malheureusement, qui se retourne parce que le rebond a été fait sur la côte. Fox qui a pris sur le côté gauche, mais qui du coup s'est loupé et se fait dépasser par Harpy qui prend le petit poteau. Et Fox. Ouais. Fox a dû respawn et se fait dépasser par littéralement tout le monde. Et Clem, hein, une fois de plus, qui est giga nul. Allez. Clem qui est en train de rouler sur le game, il a fait 2,07 tout à l'heure, il s'apprête à refinir la piste. Clem pour l'instant est un sans faute sur cette piste. Ouais. Il va prendre 53. Très étonnant, oh là là. Petit putain, 2,03. Très impressionnant. Très longtemps. Très impressionnant. Il a gagné 3 secondes sur son temps d'avance. Sortir ça en tournoi, c'est. Clairement, il connaît le PF normalement, je crois que là c'est la première fois où il a pris le PF en le coupant à la fin. D'accord. Si j'ai vu, il arrive. Allez, Valrod 14, qui est sur point. De terminer, qui fait un petit. Ah non, Aloha a continué à rouler. Est-ce qu'il va avoir le temps de finir? Aloha a continué. Hein. Et il va avoir le temps de finir si il recoince ses petites roues. Non, bon. Là, c'est bon, ça passe. Et ça prend pas mal de points, voilà. C'est ce point-là. À 2,30, du coup, avec un nouveau classement de Clem, Harpy et Yona. Clem, mais il s'en fout, quoi. 75 sur 3 maps. Ah non, mais ça déconne pas. Aloha qui redémarre jamais au début. Du coup on a le. Donc là c'est pour le top 5, Valrod ensuite, Fox, Ojeba, Tony 3 et Artiste qui est 10ème pour l'instant avec 0 points. Et là je me mets sur Clem pour savoir ce qu'il va faire le grand chelem de cette map. En faisant les 100 points sur 4 tours. On le regarde. Ah bah non, à la limite on va mettre le double. On va mettre le double. Je suis un peu à l'arrière, moi je suis à l'avant. Ah ça tourne une sorte de grass slide de la part de Clem mais en fait il a perdu le temps. Du monde devant, est-ce que c'est la peur de gagner si connue? Ah non mais c'est Dux ça. Mais Dux arrête de klaxonner, qu'est-ce que c'est? Quel enfer. Non mais Clem c'est si propre comme il fait ça. Oh là là, magnifique. Non. Et il loupe les bosses là, ça fait mal et un du peu Clem n'aura pas le grand chelem. Un petit peu trop tard. N'aura pas le grand chelem, beaucoup de gens le prennent comme ça. Hein.
Oh, et Suno qui passe premier pour l'instant. Ah, Suno et Valor, moi je reste sur Valor 14 hein, pour l'instant. Harpy à l'âme. Valrod qui a fait le PF du coup de façon totalement. Qui est beaucoup mieux arrivé que Suno. Classique, qui prend le parti pris de respawn au checkpoint. Bon, pourquoi pas, au moins c'est plus safe pour la suite des événements. Harpy est parti. Est-ce que c'est une déco, je sais pas. Il a quitté le match en fait. Hein. Ah, damné. Je sais pas si c'est une déco ou c'est autre chose. Harpy qu'en a marre, il a pas le temps, c'est l'heure du goûter. Suno pour le Waterbounce, Harpy à l'avant. C'est étonnant. Valrod qui a estimé, je pense qu'il avait pas une assez bonne trajectoire, il a respawn au checkpoint juste avant les poteaux. C'est assez étonnant. Mais peut-être parce qu'il sait que justement le Boons peut mieux passer après, on va voir. Voilà, il va passer de façon totalement classique dessus. Et Yona qui a réussi à sauter, qui a vraiment full bourré la partie, effectivement. Il a full bourré. Et malheureusement, mal arrivé parce qu'il avait beaucoup de vitesse en sortant, mais ouais, t'as raison, il full bourre. La map t'a trigger, Artis. Mais écoute, on aura essayé. Giga nul, va. Allez, Valrod qui a du mal aussi, on retourne sur Clem un petit peu. Clem est en retard. Qui est en retard, là, est en retard, ouais, en retard, ça c'est pas. Qui a loupé son cut. Harpy qui a fini, suivi de Suno, suivi de Eyona, et c'est mort pour le grand chelem de Clem. Mais bon, quand même très bien joué, hein, pour une map comme ça, qui a quand même effectivement, Harpy, ça qui est trop longue, en fait. Cette map, elle est trop longue. Je sais pas pourquoi j'ai mis le PF, c'est n'importe quoi, cette histoire. Elle est trop bien. Ah, j'en kiffe trop. J'avoue, c'est l'heure du goûter. Ça marche. Allez, du coup, Clem qui finit avec 2.34. Et il y en a qui cherchent des excuses. Il y en a qui cherchent déjà avoir foiré nos pointes, alors qu'ils s'étaient tellement donné. Du coup, là, c'est fini. Ou pas. Oui, les points, alors, les points. Clem, Harpy, Suno et Yona, je compte sur vous pour faire faire un clip. Comment on fait pour mettre une deuxième page? Je crois que tu les as eu les deux, non? Comment on descend? Ah, mais c'est bon, après c'est des 0 points. Après, c'est des 0 points. Ah, oui, c'est des 0 points, on s'en fout. Ah, c'est étonnant le nombre de 0 points. En fait, il y en a que 7-8 qui passent la map à chaque fois. 20 secondes pour finir, c'est beaucoup sur une map de 40 secondes, tu vois. Ouais. Sur une map de 4 minutes, genre, bon là c'est 2 minutes 30. Elle est longue, mais elle est trop longue. Allez, deuxième piste la plus longue du coup. Pourquoi je mange une carotte maintenant? Du tournoi, parce que c'est pas si grave. Oh. Redis-moi cette phrase. Pourquoi je mange une carotte maintenant? C'est... Tu veux vraiment trop te perdre dans la bouche. Très bien, donc là on est sur la première map qui est sobrement intitulée Ma première map. Ouais, alors que nous suivons... on en a trop suivi Clem, allez on va suivre un peu Harpy du coup. Là on est sur le warm-up donc il est temps de tenter les cuts, il est temps de... Alors on a vu Igers qui a tenté le cut du début avec... Qui est difficile. Ouais, il est difficile hein, parce que c'est pas sur la barbe, c'est moins facile que sur la map courte justement, I am short, puisqu'on a moins de vitesse. Beaucoup moins de vitesse, voilà. Et un autre angle surtout. Quand tu vas à la sorte et tu cours contre la barrière, et ben de manière naturelle tu vas passer par dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Là tu dois essayer de trouver l'angle. T'as presque pas besoin de drifter en fait. La vitesse, ouais. Donc là la question ça va être qui va tenter le cut. Le giga cut. Est-ce qu'on peut mettre une caméra peut-être? Ah, ça serait bien. Ça serait bien. On a Oxeva qui l'a tenté. En plus avoir un peu en personne hein, qui le tente quand même. J'ai vu Oxygène aussi là, qui était par là-bas. Puis Harpy qui va tellement loin. Mais c'est ouf. Sur cette map, est-ce qu'on casse pas sur ton truc et moi je laisse la map ici? Ah bah si tu veux, ouais, hein? Si tu veux. Et là, mais là on voit pas le premier. Il faudrait que tu pousses la caméra un petit peu à gauche. Plus bas. Ici. De façon à voir. Ouais. Mais si c'était pas mal là. Comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Voilà. Mais on voit pas les trois anneaux, justement. Comme ça? Ouais. Non? Fin d'échauffement déjà? Ouais, c'est parti! Oh putain! Map plus courte! Premier round sur la... C'est la dernière map? C'est la dernière map. Tu peux laisser les deux comme ça, enfin laisser la tienne et quand on arrive à l'endroit. Au moment du cut, je tousse. C'est infernal. Allez, c'est parti, on est sur le bon goal. Et le dernier, la dernière map. Hein. Le premier cut, j'ai vu quelqu'un le prendre, mais je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Et le genre, il est temps de tout donner, parce que là, il n'y a plus que 4 tours et c'est fini. 4 tours et c'est fini, une map pas trop complexe, sauf si on essaye bien sûr le fameux Major Cut qui fait gratter bientôt, jusqu'à 15 secondes si jamais on le réussit bien. C'est énorme, mais la prise de risque est conséquente. Moi je pense qu'il faut le tenter plutôt, moi j'attendrai si je joue bien en arrière. Allez, on va tout de suite. De toute façon, je vais pas avoir un bon score. Switcher sur la caméra et on va voir de qui. Et on a Clem qui l'a tenté directement. Est-ce qu'il l'a réussi? Clem qui tente, Fox qui tente, Oxeba, Humanité. Clem qui le passe pas, je crois.
Et c'est très très dur, très très dur. Mets la caméra près des anneaux, près des anneaux, histoire qu'on voit la réception. Yaya qui l'a presque et Igers qui l'a eu. Igers, putain, Igers qui a réussi. Il a réussi, est-ce qu'il va retourner sur ses pas? Tu peux encore rétablir, même quand t'es dans les sapins. Il a réussi, magnifique. Bien joué à Igers qui du coup va finir la piste. Quelqu'un a déjà fini la map et c'est qui? Bah c'est Igers justement, je pense. Non, c'est Clem qui a fini en premier. Suivi à Igers, mais bon, il a fait une remontée à Igers. Clem l'avait eu le cut. C'est juste qu'on n'était pas bien sur les anneaux. Ah c'était nice, en vrai ça c'est bien, les c'était deux. Nice, c'est ouais. Ça que c'est utile les deux. Mais peut-être de l'autre côté de cet anneau là, tu vois, voilà, bouge pas, pareil, okay. Parfait, parfait. Et donc Clem qui reprend les 25 points, est-ce que cette fois ce sera le grand chelem de Clem? Ah ouais, du coup Igers, c'est marrant Igers, je savais pas que t'étais un bon joueur comme ça. Bien joué en tout cas pour ta deuxième place pour le moment. Alors qu'on suit Humanité, du coup n'arrête pas de jouer du klaxon, arrête tout de suite sinon c'est disqualification. Ouais. À moins que ce soit pas avec toi. Alors sur un petit peu Clem du coup qui avait tenté, est-ce qu'il va refaire du coup? Clem c'est smooth, hein, c'est ça. Ouais, Clem tu sens que... En fait t'as l'impression qu'il force pas, tu vois, ouais, qu'il joue, tout, mais ouais, il joue comme ça quoi. Et pour l'instant il tente quasiment tout le temps les cuts, etc. Pas trop d'élan effectivement ici, parce que plus tu vas haut, plus tu perds du temps. Full gauche pour ici, pareil, limiter le plus possible de temps. De airtime. Et on arrive sur le boost. Qui va le faire? Alors, Clem. Ça se tente du côté de Clem. Clem ne le tente pas. Ah, si, il le tente, mais il le rate. Il peut effectivement risquer. Il y a deux gens qui en fait. Et donc, il y en a qui le passe. Et il y en a qui le passe. Est-ce qu'il arrive à retomber? Il arrive à peu près à retomber. Ah, il a dû respawn. Regardez Clem. Clem qui va prendre un des anneaux olympiques. Normalement, parfait, il retombe. Ouais, parfait, il retombe bien, il repasse par le haut. Il a plein qui tente. Passer par le dessus. Mais on voit déjà les autres qui arrivent. Et il tombe pile, bien joué à Clem qui a réussi parfaitement à retomber sur ses pattes. Pareil pour Dux qui réceptionne un peu bizarrement, mais c'est pas grave. Et on arrive sur le finish. Et on est sur Humanité qui fait quoi? Alors fait Clem, là, beau cut, et vraiment. Comme l'impression qu'il fait de la merde, Humanité. C'est vrai qu'on voit que c'est risqué. Qu'est-ce alors, par contre, tu te fais un beau premier quand tu passes, quoi. Ah ouais. Tu le passes bien? Allez, vas-y. Humanité qui fait un petit 720. Un petit 720 tout faki. Si dommage. Ah, si peu. Non, il peut encore s'en sortir. Non, c'est fini. C'est arrêté avec style. Quel dommage. Allez, du coup, mise à jour du classement. On a Clem, le bon rebut. L'avant-dernier tour. Remonte, du coup, Suno, 3ème, Igers, Aloha. Et Harpy qui n'est que 6ème. Shame on him. Mais on a toujours le suspense de l'addition des points. Alors on va rester un petit peu sur Fox qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant sur ce tournoi. Fox non, qu'on a pas mal vu sur certaines maps, mais on voyait vraiment qu'il y avait des points sur la map. Sur la short. Celle d'avant, non. Et sur celle d'avant, il y avait bien la longue. Ah ouais, sur ton point de vue peut-être. Voilà. Et Clem en première position, mais genre tellement inquiété par personne, mais par contre, le moment du cut. Change tout là. Je regarde un petit peu la suite. Fox qui est pas si loin. Hein. Sur une map autant aléatoire sur certaines choses, pas jamais d'aléatoire. Mais... Alors sachant qu'il y a une alternative à ce cut que personne ne prend. Hein. Fox qui le prend aussi avec le drift. Clem qui avait l'air trop à droite, Fox qui ne tira pas. Clem qui l'a passé. Clem qui l'a passé, qui retombe sur ses 4 pattes. Et retombe sur ses 4 pattes. Ça fait plaisir à voir. Fox qui retente également, est-ce qu'il va le faire? Oui. Clem qui finit, on voit les autres qui arrivent. Ça a l'air ok, on le voit tomber. Et tous les autres hein, qui sont en train de passer de façon traditionnelle, ce qui n'est pas forcément plus mal de façon à valider. Bah non, effectivement, parce que là on voit que Fox n'a pas gagné plus que de temps que ça en ailleurs respawn quoi. Ouais. Mais par contre, Clem, il s'est fait une petite avance. J'entendais pas. Et du coup, c'était le troisième. Il a fait un 59.6, je sais pas combien était le record, mais 59.6 sur la map. C'est quoi 59.6 ouais, record du monde, tu veux dire ouais, je sais pas. Record du monde à 52 par Aigma. Il y en a. Mais c'est très très dur, hein. Il faut prendre l'anneau horizontal. Oui, c'est quoi, il a fait son. L'anneau vertical, justement. Donc c'est le dernier round, je crois. C'est le dernier round de la dernière map avant la fin de ce tournoi. Avant les comptes. Allez-y, avant les comptes qui vont être très complexes. Mais heureusement, ma communauté a sûrement fait plein de clips. Oui. Merci à eux. Ils ont l'air d'avoir ultra géré leur race. Qui avait fini pour le. C'était Clem, hein. Du coup, on va essayer de le retrouver. Il est où? Il est là. Allez, Clem, grand favori de cette map. Du tournoi également. Du tournoi. Mais après, on a Harpy qui a été très bon, hein, qui a été parce que Clem, soit il est premier, soit il se retrouve assez loin dans le classement. Ouais. Parce qu'il fait des grosses erreurs, vu qu'il tente beaucoup risqué. Donc je sais pas exactement. Ça, c'est propre. Ouais, c'est très bien. Propre. Un petit virage très très serré. En Humanité, ouais, ils sont tous à la traîne en fait. Hein. Tu m'arrives sur le cut. Allez, Clem.
qui va nous faire rêver une fois de plus. Effectivement, hein, ça a l'air d'être bien. Serré à gauche. Il arrive. Ah, bien freiné. Il arrive pile poil dedans. Et Yona qui a réussi à prendre le vertical. Ah ouais, exact. Est-ce qu'il a réussi à finir avant? Et il finit. Oh, je crois que c'est. Ils ont fini à combien? À 59, 159 pour Clem et 59, 322 pour Yona. Un dixième même. Et Yona un peu énervé. Exceptionnel, salope, bien sûr. En même temps, Yona qui avait réussi à prendre le cut de manière verticale, c'était très beau. Bien sûr, dans le chat. Chat in-game, ça insulte des mamans. Et est-ce que Clem n'a pas fait un grand chelem sur cette map? Potentiellement, puisque il a repris 25 points sur cette map, et je pense que rien que pour ça, nous pouvons l'applaudir. Et c'est la fin du tournoi? Oui. Oh, alors vas-y, attends, il faut noter les points. Oui, prenez les points. Allez-y les gens, faites des clips et postez-le dans le chat. Voilà. Vous voyez tout. Ouais. Enfin, à peu près. Ça a été très rapide. Putain, ça a été tellement speed. Ouais. En fait, c'est trop speed en fait. Ouais, en fait, c'était trop speed. On apprend petit à petit, mais en fait. Fallait mettre plus de temps au warm-up peut-être. Ouais. Ou pas warm-up, mais. Non. Soit plus de rounds, soit faire. On aurait dû faire en mode. J'ai hésité, on aurait dû faire en mode cup. Qui fait qu'en gros, quand tu finis au point, tu dois gagner une dernière fois, mais premier. Ah. Tu vois, et ça, c'est hyper intéressant. D'accord. Prochaine fois, on refait. Moi, j'ai envie de refaire. Prochaine fois, on refait. Du coup, est-ce que du coup les gens sur le chat, alors attends, je vais couper le son du jeu ici. Ça a duré 40 minutes quand même. Ah oui, 40 minutes. Pour les gens, tu vois, quand t'es full concentré et tout, c'est quand même déjà intense. Est-ce que dans le chat, du coup, vous pouvez remettre les résultats de chaque round 1, 2, 3, 4 et du coup, on va prendre un post-it et on va noter ça. Ça va être trop chiant. Quelqu'un a pas envie de le faire. Mais non, mais c'est bon. Alors, t'as publié les 3 clips sur le Discord, mais il en faut 4, Crissou. Ouais. C'est-à-dire, t'as publié lesquels? Alors, attends, allons-y. Clip, résultat. Oh, c'est magnifique. Merci à toi, Crissou, déjà pour ça. Vas-y, j'ouvre un Excel. Ok. Alors, résultat de deuxième manche. On va commencer par ça. On va faire des pauses. Hein. Pouf, voilà. De toute façon, on va garder que la première manche. T'as pas pris. Que la première. C'est la deuxième manche. Ça. Ouais, deuxième manche. Ouais. La première, je crois que. Tu notes. Les gens tu me dis que tu notes. Si tu veux. Si tu veux. Alors Clem, 82 points. Harpy, 81. Artis. Ouais, j'écris faux par contre toi. C'est pas grave. Artis, 73. Fox, 64. Eyona, 47. Oxjeba, 46. Humanité, 44. Valrod, 14. 44. Gamaz, 44 également. Le bon Golbu. Attends, redis-moi Valrod. Alors, Valrod, 44. Gamaz, 44. Le bon Golbu, 40. 40. Par contre, on n'a que la première page. Et ben voilà. Tant pis pour vos gueules. Hein. Les autres, fallait faire mieux. Fallait mieux jouer. Tu m'as mis trop de pression. Mais j'ai rien fait. Attends, c'est bon. Alors, troisième manche, maintenant. Troisième manche. Est-ce qu'il apparaît en full screen? Pas du tout. Alors, Clem, 88. J'écris tellement vite, je suis hyper fière de moi. Ok. Harpy, 85. Suno, 65. Ah, Suno qui apparaît. Désolé, t'as pas d'autres pointures. Eyona, 63. 65. Ouais, 65. Eyona, 63. Aloha, 55. Valrod, 44. Fox, 33. Oxjeba, 28. Et c'est tout. Après, c'est 0. Ok. Voilà. Pour la première map, il faut regarder la VOD. Personne n'a dû penser à prendre un screen. Le truc, c'est que même sur la VOD, moi, je pense que j'ai pas fait défiler. Moi, je crois que je l'ai fait, moi. Mais je sais pas si... Je crois que sur le stream, on le voit pas. Ou alors, peut-être très rapidement, je sais pas. On va voir. Il y a tout dans le chat. Il faut juste scroll un peu. Ah ouais, non, moi, je peux le scroller, mais... Ouais, attends, on va voir.
Ah si, après il y a le top 20 pour le deuxième, pour le troisième. C'est le round 1 là. Tiens, tu notes ça? C'est le round 1. Ouais. Donc ça c'était sur All the Cats Are Grey. Donc on a Yaya. Ah mais non, mais après c'est 0. Très bien. Yes. Résultat du round 1. Alors. Ça c'était le premier round, mais on l'a noté tout à l'heure, non? Non. Alors, Artis, 85. J'arrive pas à lire. Eyo. Eyo, 78. Merde. Attends, tu te calmes. Harpy, 74. Clem, 58. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Clem? Suno, 49. Valrod, 46. Fox, 45. Oxjeba, 32. Dux, 25. Humanité, 23. À chaque fois que c'est Humanité. Et on n'a pas le reste, hein, par contre. Le dernier. Là, par contre, c'est vraiment que le top 10. Non, mais le dernier, on a la voix, non? Oui, bah écoute, les autres, fallait être meilleurs. Fallait être meilleurs, voilà. Ça, donc ça c'est le troisième et le quatrième, ouais, qui est juste là. Merci Christou, du coup, pour ça. Quatrième qu'on a vu à l'instant. Donc on a la même. Clem, 100. Putain, le mec. Voilà, 100. Voilà, j'avoue, il avait un. Suno, 67. Harpy, 63. Aloha, 56. Eyona, 47. Oxjeba, 47. Le bon Golbut, le bon Calbut, 42. Attends. Bon, j'écris Golb. 42. Ayers, 36. Fox, 33. Et Valrod, 28. Ok. Donc là, du coup, on a le top 10 sur les 4 maps. Ok, on peut les additionner. Mais ça reste à. Ça reste que les top 10, quoi. Ouais. Ah bah voilà, tant mieux. Elle est où la caméra? Ouais. Ouais. Ah salut, ouais. Attends. Et ouais. Ça, voilà. Ouais. Ouf. Cette musique de fête foraine. Vous entendez beaucoup la musique, pourtant elle est quasiment au minimum chez nous. Mais je peux mettre encore moins fort si vous voulez. Est-ce que c'est mieux comme ça peut-être? Attends, faut qu'on les additionne. Et est-ce qu'on va, on essaie de faire un peu, on fait pas Clément premier pour avoir du suspense? Quoi? Est-ce qu'on additionne tout le monde, on fait pas Clément premier pour avoir du suspense? Est-ce que quelqu'un fait un tableur? Moi je sais pas faire, je crois que j'ai même pas Excel sur mon ordi. attendez, je vous envoie les photos. Bon Clem, je crois que t'as gagné. Déjà. Ah c'est fait Darkel. Putain, Darkel qui a fait le tableur. Oh, pourquoi j'ai écrit? Sérieux Darkel? Non mais il est ouf le mec. Gigaboss, on dirait Evegenu. C'est quoi cette... Darkel, tu t'entendrais bien, peut-être bien avec Evegenu. C'est quoi cette communauté incroyable? Bon, moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui va pas avec la musique. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... fatigant parce que t'as passé 3 heures, quoi. ouais, non mais ça, de toute façon, je sais où est le problème. Tu te dis? Attends, je règle d'abord la musique. Non, règle pas, tu te dis? Là, on l'entend. Mais elle est forte. Mais c'est fou que là vous l'entendiez encore, par exemple. C'est du coup... Nous on l'entend pas du tout, nous. Après, nous faudrait faire ça. Ouais. Mais si on fait ça, les gens vont l'entendre. Alors du coup, faudrait faire ça. Mais du coup, il y aura plus de bruit de fond. Ah, quel enfer. Je sais pas comment faire. Ah, c'est chiant à régler, en fait. Après PF, j'ai enfin compris, j'accélérais trop tard au CP. Ah, bah, accélérer direct, c'est tard. Bon, en tout cas, ouais, déjà, GG à tous. GG à tous pour ça, parce que... Merci d'avoir été autant nombreux, hein. Parce que c'était pas une évidence, ce tournoi. En plus, on a un peu galéré au début, vous avez été patients. Oh, putain, merci à Yona, merci du coup. Merci beaucoup, Ayo. Mais Yona et qui d'autre, déjà? Evegenu qui a beaucoup aidé aussi. Et en fin de compte... Evegenu? Ouais, Evelgon. Ah. Ouais, écrit, mais bref. Et okay. Aussi, il y a une lettre dans l'urgence. Désolé, de Wizard Max Turé, merci à eux. D'accord. Alors du coup, est-ce que Darkel, du coup, peut nous donner les résultats, du coup, vu qu'il n'y a que lui qui a bossé? Hein, les autres, là. On prend note.
Ouais. En fait, si je fais ça, on va réussir. Hein. Comment on pourrait faire ? En fait, on va le faire comme ça. Au début, j'ai fait deuxième, puis après, j'ai fait mes ligaments croisés. Quoi ? Je suis tombée sur le Discord de Zuc. De quoi ? Ah, sur le Discord ! Tu envoies sur le dîner ? Mais non, mais pas la peine. Derkel, attends. Attends. T'emmerdes pas. Mais tu n'es pas sur mon Discord ? Ah, t'as pas le mien ! Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, ça va être complexe. Juste sur Twitter, ça ? Sinon, tu peux pas le balancer sur Twitter, ouais, Derkel. Parce que du coup, là, tout le monde attend le classement. Oui. Mais on pourrait faire mieux organiser maintenant qu'on a pas con. Très bien. Oui, non, mais il y aura moyen de faire mieux. Oui. Il y aura moyen de faire mieux. Mais pour une première édition, ouais. On a quand même réussi à faire le truc. Ouais. Et là, en plus, quelqu'un a bossé à notre place pour faire... Et en vrai, ouais. Je pense qu'avec la Camset, grand point de vue et tout, on pourrait vraiment mettre des trucs en place pour que ce soit vraiment cool. Mais bien sûr. Tu postes sur Twitter et tu me mentionnes, du coup. Sur un malentendu, j'ai été premier en round. Salut Ipem. Putain. Tu veux recommencer ? Attends. Ah. Ok. Attends. T'es si bien, mais genre. Attends, je vais mettre. Est-ce que t'as pas envie de créer une chaîne qui s'appellerait Bagarre Jones ASMR ? Au bout d'un moment, en vrai, est-ce qu'on n'attend pas tout ça, quoi ? Genre, c'est pas tous notre destin. Faut qu'on arrête de se mentir, quoi. Non. Non. Sinon, je fais ça. Je peux faire ça. Allez, on attend tous les résultats. Darkel, qui va potentiellement poster les résultats. En train d'essayer de comprendre pourquoi comment on pourrait faire pour régler le son sans que les gens l'entendent. Pas vraiment tout sous Narpu, ça va. Je pense que Clem a quand même légèrement gagné. Mais en vrai, il y a des gens qui viennent d'impressionnant. Fais juste un screenshot hein, du coup d'Arkel. Je sais pas si tu y arrives. D'Arkel qui, si ça se trouve, a déjà cuté le stream et est en train de prendre son goûter. C'est possible. En fait, on attend pour rien. Tout le monde a été... Ah, ça y est, tu l'as envoyé. Incroyable. Alors attends, est-ce que je peux faire... Est-ce qu'on fait un truc suspense Est-ce que je peux faire une capture d'écran C'est vrai dire les noms avec... Ah non, il marche pas. La capture d'écran marche pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, on commence par la 10. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on dit que les 10 premiers, 10, 11, 12. Ouais, le problème, c'est qu'au-delà, on n'a pas on a non, pas non, tout. Les 10 premiers, les autres, pas les taper. Hein. Allez, du coup, c'est parti, c'est les résultats de la cup. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Allez, écoutez, merci à tous déjà d'avoir participé. Ce fut un plaisir en plus de caster de façon approximative. Ah, c'était si bien. Oh, c'était drôle. Et donc à la 10e place, nous retrouvons avec 82 points. Le bon Golbu. Bravo à toi. Continue pour la suite. Ah, en 9e position, bravo à Aloha. Avec 111 points. Avec 111 points. On peut l'applaudir. J'ai l'impression qu'on est en train de remettre, tu sais, genre Miss Boudin Blanc. Mais c'est ça. Dans les salles de fête. Alors. De César Saint-Martin. Ensuite, on trouve. C'est quoi son nom complet en fait? J'ai écrit la même chose, j'ai aussi écrit Ox. C'est qui celui qui a un pseudo qui commence par Ox? C'est toi en tout cas qui est 8ème. C'est quoi le pseudo avec Ox quelque chose? C'est pas Ox. Ah, Ox Jeba, c'est ça. Très bien, donc à la 8ème position, nous retrouvons Ox Jeba avec 153 points. Ensuite, vas-y. En 7ème position, bravo à
au Rich Quitter Artist avec 158 points. Bravo à toi. Bravo pour l'été. Du coup, on arrive à la 6ème. 1, 2, 3, 4, 5. 6ème place. Donc, nous avons. Valrod. Valrod, ouais, Valrod 14 qui nous honore de sa présence avec une 6ème place et 162 points. Bravo. On passe au top 5. On passe au top 5. Alors. Ah, la température monte avec le top 5 de la cupcake. Ah pardon. La température monte avec le top 5 de la cupcake. Tout le monde rentre dans son petit four. Bravo, bravo. Très bien. En numéro 5 avec 175 points. Bravo à Fox. Mais il n'y avait pas une suite Fox quelque chose, non? Ah bon, bah merci Fox. Ah mais oui, c'est Fox tout court. Ouais, c'est Fox tout court. Merci à toi. Bravo à toi, Fox tout court. Bravo à Fox tout court. Très bien. Ensuite, quatrième place, nous avons donc Suno qui rate de peu le podium avec quand même 180 points. Ah. C'est parti, on y est, c'est le top 3. C'est le top 3. Attends. Bien, quel enfer ces effets. Très bien. Deuxième position, c'est la médaille d'argent et c'est le GG pour Harpy. Deuxième position avec 303 points. Bravo à toi. Ah là là, je crois que c'en y est, dame. Ah là là, quelle ambiance. Écoute, je vais prendre ma respiration et nous allons annoncer le nom du grand gagnant à deux. Ah, le gagnant des petits fours, hein, le cupcake suprême. Cupcake surprise. Attends, je dis les points, je dis le nom. Ah, attends. Allez, c'est parti. Avec 328 points, le grand gagnant de la cupcake est... Mr. Clay. Bravo lui. Toujours en plus. Fait, juste pour ça, ça valait la peine. Bon bah voilà, du coup, gros GG à toi, Clem, Harpy, Yona pour le top 3. Et Yuna. Et du coup, Yona, pardon. Et bien sûr, la photo. La photo, du coup, on va te la, on va te l'envoyer. C'est vrai. Envoie ton adresse par DM et on t'envoie un mail. Voilà, avec une vraie photo. Avec ton. Pour ça, attends. Ah non, mais c'est bon en plus. C'était la foire à la saucisse. Bon, écoutez, j'espère que vous avez bien aimé. Ah, mais c'était pas trop fort. Non, et merci du coup à Igers qui offre. Allez, et un tier 3. Igers qui offre un sub T3 à Clem 3005. Et du coup, Igers, après avoir vu ton portrait, nous allons mettre une alerte spéciale et ça sera tout de suite la pub parce que faut aussi qu'on prenne le temps de faire une pause. Merci à tous. C'était. Un tournoi plutôt cool. Voilà. On a des trucs à améliorer.